Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième émission de Libre Parole qu'Éric Montana, fondateur de TVADP, m'a fait l'honneur de me confier. Alors, avant qu'on poursuive un peu le fil de cette émission, il faut que je vous informe de quelque chose à tous ceux qui nous écoutent là. C'est qu'il y a eu des gros problèmes d'orage en Italie et les studios donc à Rome, les studios internet du plus gros fournisseur internet à Rome, ont un réseau fibre qui a été endommagé. Donc il est fort possible, mais ce n'est pas une certitude, il est possible qu'à un moment donné il y a un brouillage. Mais de toute façon, rassurez-vous tous, pardon, l'émission est enregistrée. Donc, vous pourrez donc de toute façon, même s'il y a un petit souci avec le direct, de toute façon, l'émission est enregistrée et elle sera diffusée, de toute façon. OK? Alors, juste après cette précision, voilà, le but du jeu de cette émission Libre Parole, vous avez bien compris, c'est d'inviter à chaque fois un écrivain, une personnalité. Et en fait, j'aime bien citer, j'ai trouvé un proverbe japonais qui en fait s'affiche, enfin, est de tout à fait de mise un peu dans le cadre de cette émission. Et ce proverbe japonais, je vous le cite, on commence à vieillir quand on finit d'apprendre. Alors ça, c'est très intéressant parce que effectivement, eh ben, c'est pour ça qu'on reste totalement jeune. Voilà, pour cette troisième émission, eh bien, j'ai le plaisir de donner la parole à Monsieur Morad El Attab, diplômé de l'Académie des Arts, Sciences et Lettres et conseiller expert en investissement stratégique. Vous êtes aussi lauréat du prix littéraire pour la paix et la tolérance. Bonjour, Monsieur El Attab. Je suis très heureux Bonjour. de vous accueillir dans cette émission. Bonjour, ravi tous deux, moi de même, et toutes mes salutations à vos auditeurs et auditrices. Eh bien, merci beaucoup. Alors, avant de commencer la traditionnelle salve de questions, pourriez-vous nous parler de votre riche parcours en quelques phrases, s'il vous plaît? Allô, j'ai pas entendu. Pourriez-vous nous parler, avant qu'on commence la salve des questions, pourriez-vous nous parler de votre riche parcours, brièvement, s'il vous plaît? Oh, mon riche parcours, soyons humbles, disons que, comme disait Mpateba ou mes frères africains, Soandi Andanda, si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Donc, je suis un fervent admirateur de la docte ignorance qui fut développée lors de la période de la Renaissance. Donc, j'apprends chaque jour. Voilà. Donc, si j'avais à me définir, je suis quelqu'un qui m'éveille dans les pas de la connaissance et du savoir que j'ai à découvrir dans les livres, puis aussi par des êtres exceptionnels. Je tiens à rappeler, Claude Janvier, que j'ai eu beaucoup à apprendre sur le Covid-19 grâce à ton dernier ouvrage. Donc tu vois, comme quoi, c'est important, comme disait Montaigne, il faut se frotter sa cervelle avec celle des autres. Voilà, Absolument. c'est l'essentiel. Je ne peux que confirmer cela, de toute façon, en lisant votre livre que je présente, donc là, le voici. Donc, votre livre qui vient de sortir, Vladimir Poutine, le nouveau de Gaulle, donc aux éditions Perspective Libre. Oui. Magnifique livre que j'ai eu, évidemment que je viens de lire, hein, parce qu'il est bien évident que je ne peux pas interviewer quelqu'un sans avoir lu son livre, c'est la moindre des choses. Et j'ai également appris beaucoup de choses. Alors, j'aime bien les quatre citations au début de votre livre, et il y en a une qui a retenu particulièrement mon attention. Et je vous la livre in extenso. En France, on laisse en repos ceux qui mettent le feu, on persécute ceux qui sonnent le tocsin. Et c'est signé Nicolas Chamfort. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas Chamfort, c'était un écrivain français, surtout connu pour ses épigrammes et ses aphorismes, et il fut le secrétaire de la sœur de Louis XVI et du club des Jacobins. Et là, j'avoue que cette citation, c'est tout à fait ça. J'en avais une autre d'ailleurs comme ça, un peu, il y a celui qui fait la guerre et celui qui crée le piège pour que la guerre se fasse. Ça, c'est dans la même. On est carrément dans le même volet, hein. On est vraiment dans le même volet. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet quand même. Vous osez la comparaison entre Charles de Gaulle et Vladimir Poutine. Bon, il est évident qu'avec le titre de votre livre, je pense que vous le savez, vous n'allez pas faire l'unanimité. Alors, pourquoi ce titre? Parce que dans les deux cas, il y a la même restauration de l'État, un même type de restauration de l'État dans un contexte où l'État était menacé, en France comme en Russie. Mais
c'est ce que l'on comprend plus aujourd'hui. C'est que l'État, il faut le définir. Qu'est-ce que c'est l'État? C'est la structure de protection du peuple, avant toute chose. Et vous ne trouvez nulle part cette définition claire, ni dans les débats TV actuels, ni dans certains ouvrages. Et c'est normal, parce que l'État français est aujourd'hui détourné par des traîtres et des prévaricateurs, c'est-à-dire des gens qui abusent de leurs fonctions. Et un abus d'ailleurs qui, dans l'Antiquité, était vu comme un crime contre le divin, un crime contre l'harmonie divine, que d'abuser d'une fonction publique qui nous est confiée. Faisons aussi le parallèle avec le roi de France, pour poursuivre votre idée. Les rois de France étaient les lieutenants du Christ. Alors moi, je vais vous poser une question. Macron, il est le lieutenant de qui? De Rothschild ou d'une puissance étrangère? Je tiens à rappeler que dans l'ouvrage, il dit lui-même qu'il est à l'endroit de David de Rothschild, son hedge, sa couverture. C'est nominalement cité dans l'ouvrage et sourcé. Et c'est du paramètre eux-mêmes. Mais je pense que si on faisait un référendum quant à la question de savoir de qui Macron est le lieutenant, pour qui Macron travaille, nous aurons bien peu de gens qui répondraient qu'ils travaillent réellement, sincèrement, pour le peuple français, avec cœur et courage. Et donc, je parle de trois facteurs comparables, sous De Gaulle comme sous Poutine. Ces trois points. 1. La restauration de l'État. 2. La lutte contre la finance internationaliste. 3. La concorde des nations. Le contexte est différent, je l'avoue, mais ces trois facteurs, à deux époques différentes, étaient poursuivis tant par la France de Charles de Gaulle que par la Russie de Vladimir Poutine. Le problème, évidemment, c'est que la guerre d'Ukraine actuelle opacifie le problème. Et la désinformation médiatique quotidienne contre la Russie est conçue pour faire oublier tout ça. Mais cette désinformation sévit depuis 20, 30 ans. Ce n'est pas récent en France contre la Russie. Donc le but de tout cela, c'est nous faire oublier le réel, inverser les causes et les conséquences, inverser les gentils et les méchants, dresser les peuples les uns contre les autres, pour faire oublier qui les pille chaque jour. Très, très bien. Alors, mais dites-moi, les jeunes générations quand même d'aujourd'hui connaissent mal le général de Gaulle et son histoire. Donc, est-ce que pensez-vous que la comparaison va être parlante un peu à la génération montante? Oui, parce que le général de Gaulle est encore l'un des personnages de l'histoire de France les plus enseignés et les plus admis. Relativement consensuel, faisant l'unanimité, j'ai envie de dire, notamment du fait de la Seconde Guerre mondiale. Et en ce sens, la comparaison sera toujours parlante. Je sais que ça agace beaucoup de gens. Et sur les points précédemment évoqués, elle est même pertinente. Par contre, on va se l'avouer, cette nouvelle génération montante est élevée sur un mythe qui lui empêche de comprendre correctement d'ailleurs tant la situation en France que la situation en Russie. Je m'explique. Bon. En réalité, il y aurait bien des choses à nuancer sur le général de Gaulle. Il y a notamment des erreurs majeures qu'il a faites et que Vladimir Poutine n'a pas faites. Par exemple, de Gaulle a gravement divisé la France en 1944 dans un contexte qui est très peu connu aujourd'hui, puisque de Gaulle a permis à la classe politique, je vais dire pourrie, des années 30 de revenir aux affaires en 1944. Et de l'évincer juste après. Par orgueil, De Gaulle a gravement affaibli la France, de fait, en 1944. Il a sans doute été aussi poussé par les Britanniques dans ce sens, mais il avait d'autres choix. Et ça, c'est à remettre dans le contexte de l'époque. Du point de vue des Britanniques, De Gaulle était une créature britannique contre des hommes comme Darlan, qui était lui une créature américaine, dans un contexte où la France avait été gravement affaiblie. Est-ce que vous vous rappelez, mon cher Claude, des vociférations du maréchal Smuts, qui était un Sud-Africain haut personnage de l'Empire britannique en 1940. Il avait dit: la France est morte, la France est définitivement morte. Donc vous voyez, c'était un triomphe pour les Britanniques en réalité. De Gaulle a refait la même erreur en 1958. Contrairement à Poutine, il ne s'est pas appuyé sur les Siboliki. Il a notamment viré Roger Vibault, très grand monsieur du renseignement français, qui venait pourtant lui donner les clés de la maison proprement. Mais De Gaulle l'a viré par orgueil, parce que c'était déjà Vibault
qui avait osé lui dire que les renseignements français de la France libre travaillaient comme des amateurs. Et De Gaulle avait tenté de le dominer, mais Vibault, ce n'était pas un homme que l'on dominait. Donc en comparant le général De Gaulle a en réalité fait beaucoup d'erreurs dont nous subissons les conséquences aujourd'hui, des erreurs que la Russie actuelle de Poutine n'a pas faites, et en réalité, c'est plein d'espoir pour nous également. Oui, tout à fait. Excellente analyse. Hein. Entièrement d'accord avec vous. Alors, autre question. Depuis 2011, il y a eu de nombreuses manifestations qualifiées de spontanées, entre guillemets, le mot spontané, contre le renouveau, pardon, de la Russie. Selon vous, qui a organisé ces troubles? Ah, ben je pense que ma réponse va fâcher certains. Allez-y, allez-y. Comme d'habitude, ce sont des officines spécialisées dans ce qu'on appelle les changements de régime et autres révolutions colorées, des officines qui sont de spécialité historiquement britannique, puis américaine et enfin israélienne. Et les États conjugués, enfin les États profonds, j'ai envie de dire, conjugués de ces trois États, sont dirigés contre la Russie. Rappelez-vous au passage de la véritable définition de l'État profond, qui est celle de Peter Dalscott. Scott. Il dit quoi? L'alliance historiquement documentée entre les grandes banques internationalistes, les grandes compagnies énergétiques et le complexe militaro-industriel. Mais en réalité, vous le savez comme moi, ce qu'on ne dit pas, c'est que ce sont les grandes banques internationalistes qui dominent le tableau. Donc, ces troubles ont été organisés par les Anglo-Américains et Israéliens, j'ai envie de dire, mais pas par les peuples. On sait que c'est Wall Street et la City avant tout, et une forme de chaperonnage inavoué de la vie politique anglo-américaine, dont l'affaire Epstein, par exemple, n'est qu'un indice. Une affaire dénoncée en ce sens par des grands initiés du renseignement américain, comme étant une façon de contrôler la politique occidentale, par des turpitudes artificiellement créées. Donc, alors, en un seul mot, parce que c'est un mot qui est capital et qu'on cite très peu, c'est de la subversion. Une subversion documentée. Même si le rouleau compresseur médiatique tente d'éluder l'affaire déjà depuis 6 ans, globalement, pour répondre de manière définitive à votre question, les organisateurs de ces troubles, ce sont toutes les institutions financières internationalistes qui ont intérêt à vampiriser de nouveau la Russie, et qui rage de ne plus pouvoir le faire depuis les années 90. Oui, absolument. De toute façon, la Russie, c'est l'empêcheur de tourner en rond, hein. Ils ont fait échec pour l'instant Complètement. à la Troisième Guerre mondiale. Ils font échec, à, effectivement, au monde unipolaire anglo-saxon. C'est ça. C'est la Russie, c'est le pays, l'empêcheur de tourner en rond, hein. On est tout à fait d'accord. C'est tout à fait ça. Alors, vous abordez dans votre livre, bien entendu, et bien évidemment, je dirais, les réunions de Davos, forum économique et social, hein, je vais pas le présenter parce que je pense que tout le monde le connaît. Et vous n'hésitez pas à évoquer, et ça, je pense que vous avez raison, le remplacement de l'autorité politique par la finance, donc les banques centrales. Donc, pensez-vous que le monde de la finance plombe nos démocraties au profit d'une gent de riches oligarques qui règnent en maître dans le monde occidental? Si mes souvenirs sont bons, vous avez touché vous-même à cette question dans votre remarquable ouvrage qui s'appelle Le virus et le président, si mes souvenirs sont bons. C'est exact. C'est une réalité absolument documentée, mais progressive, depuis 5 siècles. Et c'est retrouver la vieille expertise française que de s'en souvenir. Lisez par exemple un ouvrage remarquable, La face cachée de l'histoire moderne, de Jean Lombard, Cœur de Roi. C'est une grosse synthèse d'expertise française. Lisez ensuite Carole Kriegler. Mais nous avons aussi d'autres auteurs qui ont été très justes sur ces questions. Je pense à Pierre de Villemarais, le regretté Yann Moncomble, et plus récemment, évidemment, Pierre Hillard, qui a fait un véritable travail de synthèse sur ces questions-là. Que la finance internationaliste désire vampiriser les nations et les États depuis 5 siècles, c'est une dynamique objective qui n'a fait que grossir en volume et en intensité, en réalité. Alors, son époque moderne peut être datée de la création de la Banque d'Angleterre, c'est-à-dire 1694. Tout le reste, ça n'a été qu'une conséquence jusqu'à nos jours. Le même système prédateur répandu au monde. Donc, alors,
Pour aller plus loin dans la réponse à votre question, je dirais que c'est un système colonialiste, et c'est le seul vrai système colonialiste à l'origine du colonialisme que le monde entier connaît aujourd'hui. Tout le reste, toute présentation autre des faits, n'aboutirait qu'à dresser les peuples les uns contre les autres. Quand vous relisez William Corbett, ce grand militant de la cause sociale en Angleterre au début du XIXe siècle, il avait déjà dénoncé ce système comme générant, je cite entre guillemets, la famine au sein de l'abondance, et donc la guerre de tous contre tous par l'appauvrissement généralisé. C'est un système qui n'a triomphé qu'à la faveur de deux guerres mondiales qui étaient conçues pour son triomphe. Pour que ce système perdure aujourd'hui encore, ils veulent de nouvelles guerres, et si possible des guerres civiles pour autodétruire des peuples qui pourraient se révolter contre ce système. C'est contre cela que nous devons faire face. C'est le seul vrai combat qui mérite d'être mené aujourd'hui. C'est tout à fait vrai, la finance. Oh, mais nous sommes entièrement d'accord. Pardon, nous sommes entièrement d'accord, hein. C'est vraiment La la finance internationaliste. nous, ah oui, entièrement d'accord. Oui, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais là, c'est la finance internationaliste. D'ailleurs, qui a pris une dimension aujourd'hui, bon, je pense que avec BlackRock, Vanguard, State Street, aujourd'hui, c'est des trillions de dollars qui s'échangent sur la planète. Et c'est vrai que je me suis toujours posé la question. Il y a des trillions de dollars qui s'échangent sur la planète, mais il y a toujours 9 millions de gens dans le monde qui meurent de faim chaque année dans la différence la plus totale. C'est tout Il y à a en fait. France 12 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté alimentaire et énergétique. Absolument, absolument. Et il y a 9 millions de personnes en France qui dépendent de l'aide alimentaire. C'est ce que Absolument. disait William Corbett, la famine au sein de l'abondance. William Corbett. C'est ça. Alors, vous évoquez aussi dans votre livre la déstabilisation du Moyen-Orient et la soi-disant génération spontanée Oui. de l'État islamique. Je sais qu'il y aurait toute une émission là-dessus à consacrer parce qu'effectivement, c'est l'enquête, etc. Est-ce que vous pourriez quand même nous en toucher deux mots et clarifier peut-être aussi pour ceux qui nous suivent là, qu'est-ce que c'est réellement que le wahhabisme et qu'est-ce que c'est réellement que le salafisme? Parce qu'en fait, je pense que ça mérite une petite clarification, je pense, pour beaucoup de gens. Une grande merci pour cette question, puisque elle devrait, je pense, être posée beaucoup plus régulièrement sur des chaînes de grande écoute, tant on induit en erreur le peuple de France. Alors brièvement, parce que c'est vrai que votre question est conséquente, la déstabilisation du Moyen-Orient, la soi-disant génération spontanée du terrorisme, c'est en fait une constante de 5 siècles qui n'est jamais comprise aussi froidement qu'elle le devrait. C'est la façon dont l'internationalisme financier sécrète et génère sans cesse des troupes mercenaires asymétriques, irrégulières, pour détruire des États non coopératifs. Ça fait 5 siècles que cela dure. Vous rappelez-vous les gueux de mer durant la guerre de 80 ans, dont le but était de séparer les Pays-Bas de la couronne espagnole au bénéfice de l'Angleterre. Aujourd'hui, c'est la même logique. Inoculer des troupes mercenaires terroristes irrégulières dans des États non coopératifs. Tout le reste n'est qu'une coloration idéologique locale d'une même logique globale. Le terrorisme international n'est jamais réellement spontané. C'est ce que disait d'ailleurs très justement Luis González Mata, un initié hispanophone qui avait participé à bien des révolutions colorées de la CIA en Amérique latine et même à mai 68. Le problème étant que les peuples ont toujours un temps de retard pour comprendre cette subversion internationaliste. Et c'est normal. Quand vous êtes normalement constitué, vous n'imaginez pas que des gens vont être à ce point psychopathes pour concevoir des plans aussi machiavéliques pour rien d'autre que l'argent. C'est diabolique, mais c'est efficace. Et à moins de penser comme un psychopathe, nous avons toujours un temps de retard pour le comprendre. Concernant ce que vous avez évoqué comme étant le wahhabisme et le salafisme, disons que éventuellement des sectes, comment dire, excessives, basées sur un principe fanatique que vous rencontrez dans toutes les religions. La volonté de revenir à l'origine de la religion, parce qu'on l'a fait fausse route, mais d'imposer sa propre vision de la religion aux autres à coups de cimeterre. Lisez l'excellent petit livre de notre ami Jean-Michel Vernochet, Le wahhabisme est-il un contre-islam? Il a tout compris et il a tout résumé.
Je dis aussi que confondre aujourd'hui les musulmans et les djihadistes, qu'ils soient wahhabites, frères musulmans, goulénistes, relisez le remarquable ouvrage Le charme discret du djihad ou de William Ekdal pour l'articulation entre ces trois courants, c'est comme si vous confondiez les Russes et les bolcheviks. Donc pour résumer, ce n'est pas parce que les médias essaient de nous faire confondre tout cela qu'il nous faut nécessairement brouter la désinformation médiatique. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, un petit mot sur ce que c'est vraiment que le wahhabisme et le salafisme, s'il vous plaît. Pardon? Un petit mot sur ce qu'est le wahhabisme et le Ben, salafisme. je vous l'ai dit, ce sont, on va dire, des sectes excessives Oui. qui sont basées sur vraiment un principe fanatique. Je me répète, c'est vraiment la volonté de revenir à l'origine de la religion. On s'est dit, ben, on s'est trompé, on a fait fausse route, mais maintenant on peut imposer notre propre vision de la religion. Ah oui, Donc d'accord. effectivement, il y a une perception extrêmement dogmatique par rapport à l'approche spirituelle. Et là, pour le coup, est-ce que c'est être lié à Dieu ou être en rapport et commander les hommes? C'est une vraie question. C'est une vraie question, effectivement. OK. Merci pour cette réponse. Alors, du temps de Kadhafi, le peuple libyen n'en Ouais. déplaise au. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, je vous entends. De temps Kadhafi, le peuple. Du temps de Kadhafi, le peuple libyen, n'en déplaise d'ailleurs à ses détracteurs, hein, je veux dire, le peuple libyen vivait bien, avait un très bon niveau de vie. Depuis son assassinat d'ailleurs par la coalition internationale, avec les USA en tête, le pays est à feu et à sang. Kadhafi a été supprimé en fait, car il voulait créer une monnaie africaine basée sur l'or et l'argent. Bien évidemment, ça n'a pas plu au dieu, au sacro-saint dieu dollar. Donc vous abordez ce sujet dans votre livre. Est-ce que vous pourriez le développer un petit peu, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors c'est un sujet effectivement que je développais aussi dans un autre livre sur la Libye, s'appelle Salafé l'Islam, Kadhafi, aux éditions Éric Bonnier, qui pose la question d'un retour éventuel au pouvoir de Salafé l'Islam Kadhafi. Mais cette nouvelle monnaie BIM métallique aurait été en effet un coup mortel porté au pétrodollar. C'est la véritable cause, vous avez raison, absolument documentée de la destruction de la Libye. Je dis bien absolument documentée. Et le drame, c'est que le traître Nicolas Sarkozy a mis la France au premier rang des fauteurs de guerre. Nous savons très bien aujourd'hui les lourds soupçons de financement qui planent sur le financement de sa campagne politique. Mais ce n'est même pas cela le problème. Si Nicolas Sarkozy avait œuvré pour la France et pour la concorde des nations, il me serait égal qu'il ait financé sa campagne de cette façon-là. Parce que le principe de la France-Afrique, c'était justement une solidarité entre la France et l'Afrique pour éviter que la France, comme l'Afrique, ne soit totalement soumise à la finance internationaliste. C'est la raison pour laquelle France-Afrique a été progressivement démantelée sur 30 ans pour faciliter le contrôle anglo-américano-israélien sur l'Afrique, tout en empêchant le financement de toute solution politique patriotique en France. Et réfléchissez bien à ces mots. Là, l'aboutissement, c'est une terrible tache sur le blason de la France. Non seulement Sarkozy a très vraisemblablement touché, soi-disant au nom de la France, des sommes faramineuses de la Libye, mais ensuite le même Sarkozy a prétendu livrer une guerre au nom de la France, alors qu'il s'agissait avant tout d'une guerre au nom de la finance internationaliste. C'est une infamie sans nom qui rejaillit aujourd'hui sur tout le peuple français. Et vu votre expérience historique, Claude, vous savez comme moi que c'était déjà la leçon énoncée par Pierre Fontaine, le grand expert du pétrole à l'époque coloniale. Les Français ont du mal à comprendre que la vassalisation entraîne la complicité de guerre. Et malheureusement, je crains que beaucoup de Français aient besoin de perdre leur confort pour s'en apercevoir. Mais pour autant, le peuple n'est pas réellement responsable de ce que l'on fait tout pour lui cacher. Et je suis bien placé pour savoir qu'il faut passer un temps colossal à découvrir ce qui est caché, à une époque tellement basée sur le mensonge.
Ouais. Mais alors en plus, Nicolas Sarkozy, de toute façon, en plus d'avoir donc assassiné Kadhafi, comme vous venez, et d'avoir mis la Libye à feu à sang, dont vous venez de l'évoquer, de toute façon, avait trahi déjà les Français avec le traité de Lisbonne. Hein. On se souviendra que les Français, à l'époque, avaient dit non au traité de Lisbonne. Et Sarkozy, avec son premier ministre Fillon, d'ailleurs, hein, vous le rappelez, nous allons dire oui. Et donc là, ça a été effectivement la démocratie française en a pris vraiment un sérieux coup à partir de ce moment-là aussi, d'ailleurs. C'est vrai, ça a été une véritable. D'ailleurs, depuis Sarkozy, on assiste à une véritable descente aux enfers encore plus rapide. C'est vraiment les 3-4 dernières décennies sont vraiment décisives pour le déclin vraiment terrible de notre pays, quoi. Tout à fait. C'est faramineux. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, parce que la France, qui a été quand même autrefois célébrée quand même pour sa culture, les arts, ses découvertes, son système de santé, parce que quand même son système de santé nous a été envié par quasiment tous les pays du monde, sa gastronomie aussi, la France, parce que la France, quand même, c'est une terre de gastronomie, c'est de plus en plus la proie, notre pays est de plus en plus la proie d'un syndicat organisé, ayant pour but sa destruction. Mais sa destruction, c'est sans limite, c'est-à-dire c'est la destruction de la francophonie, c'est la destruction de la langue française, c'est la perversion. Maintenant, on ne parle plus français, on parle un espèce de globish, on ne sait même plus trop. Je regardais, excusez-moi, mais je fais une petite aparté vite fait. Je suis rentré il n'y a pas si longtemps, parce que j'avais un rendez-vous, j'avais une petite demi-heure à tuer, j'étais aux Champs-Élysées, je suis rentré dans la boutique Célio, pour ne pas la nommer. Et je regardais un peu, et il y avait, je me rappelle encore, c'est incroyable quand même, il y avait des caissières, et derrière, il y avait un grand panneau, et donc ils vantaient la vie c'est bien, et puis tout d'un coup, il y avait des mots anglais. Donc la vie, ça vaut la peine d'être vécu, to be, alors tout d'un coup, il y avait le verbe to be en anglais, to be, être bien dans sa tête, to be, bien manger, etc. Mais je me suis dit, mais ça, c'est la destruction de de la francophonie, c'est la destruction de nos valeurs. Et cette subversion internationaliste au travers de son guide suprême, donc maintenant Emmanuel Macron, hein, pour ne pas le nommer non plus, ça nous entraîne dans les abysses. Et mais d'après vous, est-ce que le constat est-il vraiment aussi profond? Alors d'abord, ce qui est très pertinent dans votre analyse, c'est que vous employez une expression, la proie d'un syndicat organisé pour la destruction des nations, que je retrouverai Dans votre dans livre. l'ouvrage, qui est empruntée à l'ambassadeur Comte de Saint-Olaire, l'un de nos plus grands ambassadeurs et de nos derniers grands ambassadeurs de la vieille école. C'est un ambassadeur qui a produit des livres d'une lucidité impressionnante, qui anticipait tout notre mondialisme actuel, parce qu'il en avait vécu déjà à l'époque les prémices. Il avait raconté, Comte de Saint-Olaire, comment un certain internationalisme financier soutenait la révolution bolchévique, soutenait l'expansion de la révolution bolchévique contre la Pologne et contre l'Espagne, et précipitait l'Europe et le monde entier dans la Seconde Guerre mondiale. Une guerre totalement évitable et totalement artificielle. Or, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est l'actualisation du propos du comte de Saint-Olaire. L'actualisation de cette lutte entre la vieille diplomatie contre une nouvelle, entre guillemets, diplomatie. Un affrontement entre la vieille diplomatie, incarnée aujourd'hui, il faut le reconnaître, par la Russie et la Chine, contre cette soi-disant nouvelle diplomatie, en réalité, une diplomatie mondialiste dans laquelle les diplomates ne font que signer des textes qui sont conçus par des cénacles gorgés d'idéologie mondialiste. Et dans cet affrontement, et vous faites bien de le rappeler, ce sont la Russie et la Chine qui ont raison. Et nous ne le comprenons toujours pas au moment où on se parle. Parce que nous sommes aveuglés par des médias, pilotés par des idéologues et des traîtres. C'est un vrai problème dont les Français vont subir durement les conséquences. Une nation entière détournée par des idéologues, des subversifs, des prévaricateurs, et notre grand leader suprême actuel, le meilleur élève à Klaus Schwab, comme, j'ai envie de dire, comme guidé par le joueur de flûte de Hamelin,
Nous avançons vers notre destin, mais j'ai envie de dire jusqu'à quand? Oui, ben jusqu'à quand, justement, ça, c'est une excellente question parce que, au niveau de ce conflit, justement, russo-ukrainien, jusqu'à quand? Et on a vraiment les deux blocs qui s'affrontent et vous venez de l'évoquer, effectivement. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la désinformation et de la subversion qui aggrave vraiment cette espèce de bellicisme-là, exacerbé, visant à séparer la Russie de l'Europe? Parce que c'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Oui, c'est une désinformation. Enfin, cette désinformation et cette subversion sont les deux facteurs qui façonnent, en effet, juste titre, et vous employez le mot juste, le bellicisme. L'idée, c'est ce que j'appelle la constante de Rapallo. Alors, je m'explique. Depuis le traité de Rapallo, qui date de 1922, il s'agit d'empêcher l'alliance entre les immenses ressources russes et l'idéalisme technologique européen. Mais ce but était déjà fait, j'ai presque envie de dire, était déjà même le but de l'Empire britannique avant la Première Guerre mondiale, qui consistait à diviser sans cesse le continent. C'est une vieille constante. Et cette désinformation sert à façonner un narratif qui est inversé par rapport à la vérité. Et donc, vous avez raison, cette subversion sert à façonner les esprits pour les prédisposer à endosser, et j'ai presque envie de dire, à brouter tous les narratifs possibles, même les plus mensongers. Vous le voyez tous les jours à travers nos médias mainstream. Ouais, tout à fait, c'est ça. Alors, vous posez aussi un autre fait dans votre livre. Vous parlez de l'Ukraine et le nouvel ordre mondial. Donc, mais vous parlez aussi, ça me plaît aussi, une certaine analogie est visible entre Macron et Zelensky. Et vous ajoutez un proverbe turc. Ça, ce proverbe turc, je le connaissais pas et j'avoue, il me fait rire. Il est très vrai. C'est, alors, je le cite, hein, parce que donc, quand un clown emménage dans un palais, il ne devient pas un roi. C'est le palais qui devient un cirque. Extraordinaire. Ouais. Alors pendant que vous étiez en train de... Je l'ai effectivement cité dans le livre, exactement à la page 264. J'ai juste précédemment, je rappelle que la similitude entre Zelensky et Emmanuel Macron est, je dis, un humoriste coopté pour régenter l'Ukraine, devenu créature du Forum économique mondial, lequel recherche bien plus des gens dociles que des gens compétents. C'est très cohérent pour l'homme qui a vendu l'Ukraine et son peuple au mondialisme financier. Et pour ça, je vous renvoie à un article de Mike Whitney sur le site Entre la plume et l'enclume du 5 mars 2022. L'homme qui a vendu l'Ukraine, je vous rappelle qu'il a vendu pour plus de 25% des terres agricoles ukrainiennes au même fonds souverain financier mondialiste que vous avez évoqué tout au début, comme, et qui détiennent aussi, je tiens à le rappeler, une part de la dette française, puisque lors de son intronisation, les premiers qui ont été reçus à l'Élysée par notre président de la République et son conjoint furent le président de BlackRock et tout un aréopage de fonds vautours américains. On voit d'abord l'importance que revêt la priorité des préoccupations des Français. Mais pour aller à peine plus loin sur la dissidence, il y a quelque chose qui me fâche et qui me navre, et j'en profite de cette émission pour vous le dire, et qui se passe depuis la réélection, je suis le seul à pouvoir le dire, frauduleuse d'Emmanuel Macron, parce que vous savez que de ma plume, j'ai signé la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. Je l'ai fait pour tous les Français. J'aurais bien voulu que d'autres le fassent, puisque je ne supporte pas le fait de savoir, et pareil, c'est largement documenté, qu'il est impossible pour un quelconque citoyen français de faire un recours effectif dans le cadre pour dénoncer une éventuelle fraude électorale, ce que fut le cas aux élections présidentielles. C'est une violation de l'article 13. Je pense, je suis très serein tant qu'à la CEDH qui rendra accessible notre requête,
comme elle l'a fait pour la Belgique précédemment, puisque ça a fait jurisprudence. Et donc je dis aux Français que j'ai agi pour eux, en leur nom, car j'estime que tous nos droits doivent être préservés et respectés si on veut que la France reste un État de droit. Mais sans parler de l'élection frauduleuse d'Emmanuel Macron, il y a un autre point qui m'interpelle, et là, je parle à tous les Français et les Françaises. Effectivement, il y a des choses qui me, pas qui me navrent, plus qui m'attristent, parce qu'elles sont de l'ordre du crime. Je rappelle dans l'ouvrage qu'Emmanuel Macron a vendu l'autonomie énergétique de la France lors de la vente d'Alstom. Ça s'appelle de la haute trahison et nous en payons chèrement le prix aujourd'hui. Sous ce mandat, un des plus hauts lieux de spiritualité qui nous rattache tous, nous Français, à cette chrétienté, et c'est le musulman qui vous le dit, qui fonde cette nation et cette culture et cette civilisation. Je pense à l'incendie criminel, parce qu'on peut encore le dire aujourd'hui, vu qu'ils sont en train de s'arranger pour classer sans suite ce crime odieux qu'a été l'incendie criminel de Notre-Dame. Et je vous renvoie à l'ouvrage de Patrick Jolan, Notre-Dame, pas de fumée sans feu, où il s'est passé des choses extrêmement graves tant qu'à l'absence d'enquête réelle concernant ce crime. Crime contre la spiritualité de la France, crime contre ce qui nous fonde aussi dans notre relation au Christ et pour les musulmans au prophète Aïssa, dit Jésus. Ça, c'est quelque chose que je tenais absolument à dire, tellement les faits sont graves, contre ce président de la République et son conjoint. Autre point, et j'en conclurai là-dessus par rapport à votre question, et c'est un des points communs qu'il a avec Zelensky. Zelensky, qui est un trafiquant, qui est un criminel financier, je vous rappelle qu'il a perçu 900 millions de dollars sur un compte dans des paradis fiscaux pour avoir vendu les terres agricoles ukrainiennes. Une enquête seulement est menée aujourd'hui par des parlementaires hollandais. Bizarrement, on se tait au niveau de toute l'Europe et on nous demande d'applaudir ce comique stupide, comme le qualifient les députés turcs, lorsqu'il nous fait un live à Cannes ou pire, à l'Assemblée nationale. Mais un autre point qui les associe, c'est un crime qui est la traite des Blanches, qui est la traite des enfants. Zelensky, l'Ukraine est aujourd'hui la plus grande plateforme mondiale de trafic humain. Plus de 10% passent par l'Ukraine. Et je dis bien, c'est la traite des Blanches, qu'on ne traite pas de racistes. Tout ça est documenté. Arte avait fait un documentaire en 2019 qui l'explicitait largement, certes pas dans mes termes, parce qu'il ne rajoutait pas le mot blanche, hein, ça ne fait pas politiquement correct, à l'ère du wokisme où le mondialisme internationaliste voudrait encore prétendre que les Français sont racistes, ce qu'ils ne sont pas. C'est le fait de nos institutions, mais pas des Français. Et en l'occurrence, il y a un homme à qui je voudrais rendre hommage aujourd'hui, qui a été humilié en tant que journaliste suite à la sortie d'un ouvrage, et je vais vous dire pourquoi. Ce livre, c'est le livre La guerre de l'ombre de la DGSI d'Alex Jordanov, qui a été mis récemment plongé au cœur des services secrets français. Et effectivement, c'est le livre qui hérite actuellement la DGSI. Et je vais m'en expliquer. L'homme qui vous parle a découvert de très graves manquements au sein de nos services secrets, puisque la DGSI a créé une cellule qui s'appelle la cellule Al-Lat, le nom d'une déesse pré-islamique, pour créer une guerre civile en France entre les musulmans, patriotes bien sûr, et les Français, ce dont nous ne voulons absolument pas de cette guerre artificielle. Pire, j'ai transmis au procureur de la République antiterroriste la preuve effective que des sources haut placées de la sûreté de l'État étaient en lien avec des terroristes djihadistes dans l'éventualité de commettre des attentats terroristes sur le sol national français. Et vous comprendrez davantage que depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande et de Manuel Valls qui a refusé la liste des terroristes que lui proposait à l'époque l'État syrien, allez savoir pourquoi, le même Manuel Valls qui, lors de l'attentat du Bataclan, a empêcher à ce que les secours interviennent, ce qui aurait sauvé des centaines de Français victimes d'actes terroristes
parce que des garrots auraient pu être posés. Mais je viens sur un point extrêmement grave, extrêmement important, dont vos auditeurs doivent entendre. Il y a un véritable trafic d'enfants en France. J'ai l'homme qui vous parle, et je sais par avance que la DGSI fait emprunte des sobriquets pour m'attaquer et me prêter des préjugés sans preuve, et surtout de manière anonyme. Mais moi, je ne suis pas anonyme. Je ne me cache pas, je suis transparent, je dis vive la France et vive les Français. Et surtout, vous ne toucherez pas à nos enfants. Je ne parle même pas du délire de notre actuel ministre de l'Éducation nationale, qui ne rêve que d'une chose, à la demande de qui, je voudrais bien le savoir, que nos enfants en sachent un maximum dans le cadre de l'éducation sexuelle, surtout dans la transidentité et le transgenre. Je ne pense pas que ce soit la priorité des Français pour le plus grand nombre. Et vous remarquerez qu'encore une fois, on choisit quelqu'un qui a un nom à consonance pour faire passer les saloperies, comme il a été à l'époque sous Madame Taubira et d'autres. Mais l'homme qui vous parle vient de porter plainte contre des magistrats. Des magistrats pour subornation de témoins et des magistrats pour inscription de faux à titre principal. Ces magistrats, que je qualifierais de criminels en robe noire, sont liés à ce réseau, puisque en France aujourd'hui, il est possible à des gens de la DGSI de prendre vos enfants, de les faire participer à des partouzes, de les amener à l'étranger, et pire, de changer leur pièce d'identité à la préfecture de police de Paris. Sur le bureau d'Emmanuel Macron et de son conjoint, il y a la preuve effective que les pièces d'identité ont été refaites à des enfants français, comme dans l'affaire Epstein. C'est manifestement le même réseau qui change les pièces d'identité de manière illégale à l'insu de l'autre parent. Ça se passe aujourd'hui en France comme ça se passe en Ukraine. Et je dis publiquement à Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, comprenez bien que je ne peux pas vous donner le titre de président. Par contre, je vous qualifie d'irresponsable, de lâche et de criminel tant que vous n'aurez pas mis fin à ce réseau pédocriminel actif, sévissant en France, au sein de la DGSI, au sein de la préfecture de police de Paris, au sein du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal judiciaire de Versailles. Emmanuel Macron, je vous le dis dans les yeux, parce que vous êtes au courant de cette affaire dont je vous ai rapporté tous les noms. Votre silence à ce jour, ainsi que celui de votre conjoint, est criminel. Mais sachez qu'en France se lèveront des femmes et des hommes pour sauver leurs enfants. Et je tiens à vous dire que quand bien même vous nous humiliez, vous méprisez dans vos représentations, j'ai presque envie de dire sadiques et perverses, qui consistent à faire danser des transsexuels sur les marches de l'Élysée, sachez une chose, apprenez à aimer les Français comme moi je les aime. Ils sont beaux, ils sont nobles, ils sont guerriers, ils sont investis d'une part que vous n'imaginez pas, parce que c'est une part historique que vous voulez défaire. Vous avez dit que nous n'avons pas de culture, je vous prouve, rien que par ma présence, rien que par mon langage, rien que par mes écritures, que je suis fier de ce pays qui a fait de moi un citoyen de la France et un patriote de France. Donc apprenez à aimer les Françaises et les Français. Les Françaises, apprenez à savoir que ce sont des femmes guerrières, des femmes belles. Et toutes les femmes qui résident en France, j'ai envie de dire, sont remplies de cette maturité et de cette existence. Et ce ne sont pas les transsexuels que vous affichez qui sont notre modèle. Comprenez-le. Quand bien même, je respecte leur choix, mais leur choix a tendance à devenir idéologique. Et comme Zelensky, vous voulez absolument nous imposer une décadence comme étant la normalité. Sachez qu'on la rejette dans le plus grand nombre. Et n'oubliez pas Emmanuel Macron, il y a à peu près 44 millions d'électeurs en France inscrits. 35 millions n'ont pas voté pour vous. Et j'en fais partie. Et donc cette immense majorité, vous nous avez déjà une fois méprisés en nous disant, venez me chercher. Vous comprenez que si on se met en marche, expression que vous aimez tant, et que nous avons à venir vous chercher, ce ne sont pas ces quelques criminels en robe noire, ces quelques policiers qui ont fait le choix pour vous de frapper et d'humilier des pompiers, des aides-soignantes, des étudiants, des médecins.
Vous êtes minoritaire, Emmanuel Macron. Apprenez l'humilité. Et on ne vous laissera pas, on ne vous laissera pas faire silence face à des crimes d'État. Voilà le développement que je voulais faire quant à cette question, parce qu'il était important de rappeler quelles étaient ces étranges créatures que sont Emmanuel Macron et Zelensky. Et je tiens à rappeler un point important. Monsieur Zelensky a annoncé la victoire d'Emmanuel Macron aux élections présidentielles 24 heures avant les résultats, ce qui figure bien sûr dans notre requête auprès de la CEDH. Eh bien, bah écoutez, je ne peux que souscrire à tous, mais vraiment entièrement à tout ce que vous venez de dire, vraiment. De toute façon, les deux grands fléaux, et je ne sais plus avec qui j'en discutais récemment, il y a le monde de la finance, ça on l'a évoqué, et la pédocriminalité. Ça, c'est d'une évidence absolue, de toute façon, ces deux grands fléaux, que de toute façon, tant qu'on les aura mis par terre, on n'y arrivera pas. Donc, c'est vrai que c'est de toute façon un combat de tous les jours. En tout cas, bravo à vous, parce que là, franchement, je ne peux qu'adhérer complètement à ce que vous venez de dire, bien évidemment. Et d'ailleurs, si je peux vous aider en quoi que ce soit, bien évidemment, mon aide vous est acquise. Je pense que la télévision ADP, avec Eric Montana, bien entendu, il n'y a pas de souci. Bah, je vous en remercie infiniment. C'est nous qui vous remercions de cet engagement. Eric, moi, puisque tu es en ligne, tu veux ajouter quelque chose peut-être, puisque je t'ai vu apparaître. Oui, ben, je me nourris de vos paroles et je me régale, parce qu'entendre Morad expliquer ce que moi j'écris depuis plusieurs années me réconforte un peu. Finalement, le journaliste complotiste islamophile que je serais a son pendant avec Morad. Il explique la réalité avec beaucoup de talent, avec beaucoup d'éléments et avec beaucoup de convictions. Et je pense qu'on est nombreux à partager ton analyse, Morad. Donc ça fait du bien de se retrouver ensemble, parce que je le dis toujours, qui se ressemble s'assemble. Et dans ce pays, ce pays n'est pas composé d'une masse de crétins endormis uniquement. Il y a des esprits éveillés, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui analysent, il y a des gens qui démontrent et qui prouvent. Et évidemment, il n'y a que comme ça que nous réussirons à inverser cette vapeur infernale qui nous conduit tous vers l'abîme. Alors, en ce qui concerne la pédocriminalité, je le dis toujours, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup de mal à m'exprimer, parce que je considère que ces gens n'ont pas un caractère humain. Et j'aurais peur que mes mots dépassent ma pensée. Je ne peux pas avoir pour ce genre d'individus, et pour ceux qui couvrent la pédocriminalité, la moindre complaisance, la moindre compréhension, la moindre compassion. Je considère que ces gens n'ont rien d'humain et qu'ils mettent non seulement en danger le socle de la société, la famille, mais pire que tout, ils s'attaquent à ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire nos enfants. Et lorsque tu dis, Morad, qu'il existe dans ce pays des hommes et des femmes qui sont prêts à se lever et à faire même le sacrifice de leur vie pour mettre un terme à ce qui n'a pas de nom, qui est innommable, parce qu'un pays qui se complaît dans la perversion des mœurs, un pays où, au lieu d'enseigner à nos enfants les mathématiques, la grammaire et l'histoire, on leur explique les bienfaits du changement de sexe, en expliquant à nos mômes qu'un petit garçon peut parfaitement décider d'être une petite fille et que s'il a envie de le faire, on va l'encourager à faire ça. C'est un pays qui est en danger. C'est un peuple qui est en danger. Donc, ta voix et ta parole comptent. Morad, je te remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est pour moi un plaisir de t'écouter. Et je sais que tu reviendras nous voir
dans le cadre d'une autre émission avec Malika, qui se faisait un plaisir de te recevoir aussi. Pour ceux qui me concernent, bien évidemment, j'applaudis dès demain. Nous avons besoin de paroles de qualité sur TVADP. Et tu nous avais déjà fait l'honneur de participer au Grand Appel et au Mégathon avec Claude d'ailleurs et beaucoup d'autres personnalités dont la parole compte. Je suis heureux de voir que tu peux t'exprimer librement et qu'en t'exprimant librement, tu contribues à éclairer la conscience des Français et je fais toujours référence à la Bible en disant au début était le Verbe, mais oui, le Verbe est à la base de tout, c'est avec le Verbe, avec le mot que l'on éclaire les consciences et les esprits, et tu utilises le Verbe avec beaucoup de talent. Voilà ce que j'avais à dire, mon cher Claude, merci de m'avoir donné la parole. Écoute, c'est tout à fait normal de toute façon et... non, franchement, ça fait mal. D'ailleurs, je rebondis sur aussi deux autres choses que vous avez déclarées tout à l'heure à propos de l'incendie de Notre-Dame et à propos du Bataclan. Il se trouve que pour l'incendie de Notre-Dame, moi j'ai habité il y a longtemps une maison moyenâgeuse avec des poutres qui dataient de 800 ans d'âge, puisque, etc. Et en réalité, ces poutres sont tellement dures, on peut même pas planter un clou. Donc, de toute façon, que ça devienne un brasier comme c'est devenu un brasier à Notre-Dame, c'est déjà, pour celui qui connaît les maisons moyenâgeuses, pour celui qui connaît le bois, comment ça a été coupé, séché à l'époque, au Moyen-Âge, c'est impossible. Déjà, ça, c'est le premier point que je voulais aussi ajouter sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, enfin, sur ce que vous évoquiez tout à l'heure. Le deuxième point pour le Bataclan, j'ai rencontré effectivement une personne dont le fils et le mari étaient au Bataclan ce fameux soir. Et en réalité, il est bien évident qu'il y a des zones d'ombre. Et j'invite aussi nos téléspectateurs, s'ils peuvent avoir Netflix, je ne vous demande pas pour un abonnement, hein, c'est pas ça, mais il y a un excellent documentaire dans Netflix. Il y est peut-être toujours, j'ose l'espérer. C'est un documentaire sur le fameux groupe de métal qui se produisait le fameux soir au Bataclan. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est que le bassiste, à un moment donné, de ce groupe qui se réfugie dans les toilettes, il entend un terroriste se faire sauter avec une grenade. Enfin bon, bref, ça lui paraît interminable. Et c'est interminable, puisqu'au bout d'une heure et demie, la police n'est toujours pas là. Et à un moment donné, ils se font de cette déclaration. Ils disent « Mais where is the fucking cops ?» En disant « Mais putain, où ils sont les policiers, quoi ?» ça tue, ça tire dans tous les coins, beaucoup de gens meurent, beaucoup de gens sont torturés, etc. Et quand on voit ce documentaire, c'est une interview dont justement ce groupe, et là, c'est très parlant et c'est très intéressant. Voilà, je referme un peu la page. Je vous rappelle juste un détail, mon cher Claude. Ouais. Pour avoir dit cette phrase, il n'a pas été invité. C'est vrai. Lorsque le groupe a été réinvité au Bataclan. Preuve comme quoi il était déjà passé pour nos médias mainstream comme étant un dissident parce qu'il avait simplement posé une question. À ce propos, je tiens à rappeler, je le dis très modestement, que moi je suis ouvert parce que je connais extrêmement bien ce dossier, le dossier du Bataclan, comme le dossier de Notre-Dame. J'ai vraiment étudié toutes les failles concernant cette affaire. En l'occurrence, je tiens à vous rappeler que celui qui était le cerveau des attentats était dans une prison française un an avant les attentats. Est-ce qu'on peut toujours, on me donne toujours pas de réponse sur le fait que comment il a été libéré. Et j'ai proposé à des médias mainstream lors de ce qu'ils appellent des grands débats où il faut dire la vérité. Ils ont toujours des noms très ronflants pour nous dire, ben voilà, vous allez entendre la vérité, vous allez connaître la vérité. Donc moi je propose trois débats. Je propose un débat face au juge Trévidic concernant l'affaire du Bataclan, et je ne le choisis pas par hasard. Il y a beaucoup de choses que j'aurai à lui dire, et surtout beaucoup de questions à lui poser, et je pense que les Français risquent d'avoir une vision tout autre sur ce crime odieux qui s'est passé sur notre sol, et je suis, oui, je l'avoue, je suis satisfait de savoir qu'un des parents des victimes, M. Patrick Jardin,
à créer un collectif, puisque, je le dis et je le répète, ce qui est sorti du grand, entre guillemets, spectacle judiciaire durant presque un an, est loin de satisfaire aux questions manquantes, puisque je tiens à dire, par exemple, juste un détail, que dans les mêmes déclarations du jour entre le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, ils ne s'étaient même pas accordés. C'est-à-dire qu'on a deux réponses différentes par rapport au même fait. Mais j'ai vraiment étudié la question, donc là, ce n'est pas le moment ni le lieu, mais je le dis, je l'ai proposé aux médias mainstream, un débat national, lui face à moi, le juge Trévidic, qui a été invité sur tous les plateaux concernant l'affaire du Bataclan, face à Morad El Attab, géopolitologue, citoyen français. Je propose aussi un deuxième débat que j'ai proposé au mainstream, toujours pas de réponse, un débat face au général Gergolin, qui était en charge de l'affaire de Notre-Dame, sur la question de Notre-Dame. Voilà. Lui qui a si gentiment répondu aux responsables, je crois, des bâtiments de France, ou publiquement, ferme ta gueule. Hein, voilà le genre de réponse qu'il a été donné à un citoyen français soucieux de la réhabilitation du lieu. Et le troisième débat que je propose publiquement, c'est face à l'actuelle secrétaire de la petite enfance, Madame Cobel, concernant la pédocriminalité et les placements abusifs, qu'on oublie souvent de citer, ainsi que la structure de l'ASE, aide sociale à l'enfance, qui coûte, écoutez-moi bien, 10 milliards d'euros par an. Et c'est officiel avec l'argent des Français, puisqu'ils ont été aussi épinglés par la Cour des comptes en termes de mauvaise gestion. Nos enfants, enfin les enfants qui finissent dans ces centres, on ressort à 18 ans pour 70% d'entre eux analphabètes et 40% sans emploi. Donc, si les Français donnent autant d'argent pour un tel résultat, pourquoi ? Parce qu'on sait tous aujourd'hui, et une caméra cachée, même de zone interdite, l'a dévoilée tout récemment avec beaucoup de courage, ces lieux sont des lieux où les enfants sont en majorité agressés sexuellement. Les Français, je ne pense pas qu'ils sont, en nous entendant aujourd'hui, qui voudraient que leur argent serve à ce que des enfants soient maltraités et violés. Et donc, ces trois débats publics, moi, je les propose. Mais il y a un prisme. Et Eric a dit quelque chose de très juste. Moi, je les dérange. Je vais vous dire pourquoi je les dérange aussi. J'ai parlé de la traite des Blancs, j'ai parlé de la pédocriminalité. Aujourd'hui, les médias mainstream sont en partie tenus parce que moi, je qualifie la gauche racialiste, qui, pendant 40-50 ans, à noyer les débats télé avec des gens d'origine qui étaient éventuellement des repris de justice, d'ailleurs ils passaient leur temps à leur rappeler, et qui parlaient en verlan pour certains d'entre eux. C'est sûr que je suis le contraire de cet archétype, et ces gens-là ont volé plus de 50 ans aux Français qui portent des noms à consonance arabe, berbère, indienne, africaine et autres. Parce que cette gauche racialiste nous a dit sans arrêt « les Français sont des racistes ». Or qu'en réalité, avec le temps, la maturité, les vrais racistes, ce sont eux. Les Français ne sont pas racistes. Et je ne cesserai de le répéter et de le dire. Les racistes, il y en a dans nos tribunaux. Il y en a à la tête de notre administration, de nos administrations publiques. Mais c'est rare que j'ai à rencontrer des Français racistes. Les Français, mon Dieu, combien ils sont généreux. Et il suffit de regarder les chiffres qui le prouvent en termes de donations. Mais aujourd'hui, les Français paient cher. Paye cher cette immigration que veut nous imposer Emmanuel Macron, parce que cette immigration, en réalité, c'est de l'esclavagisme. C'est de faire venir des gens pour paupériser les Français. Absolument. Il y avait un ouvrage, effectivement, on peut citer, parce que l'auteur était sulfureux, M. Jean Smith, qui parlait de la fin de la France et d'une histoire d'une perte d'identité, qui résumait en trois mots. Génocide, démence et suicide. Cet arrêt qu'il faut absolument aujourd'hui faire concernant la francisation des étrangers, cette limite stricte de l'immigration en nombre comme en durée de séjour, elle n'est pas, c'est pas criminel de le dire quand on sait que derrière, on nous donne aucune chance et les gens qui nous invitent dans ce pays, c'est pour nous dire que la France n'est pas bonne et que les Français sont des méchants. Et au final, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je vais vous dire ce qui se passe parce que mon fils l'a vécu récemment à l'école. Il y a un an, mes enfants qu'on m'a volé, mais la seule fois où j'ai pu avoir une réponse de l'école, mon fils a été agressé dans son école par un jeune enfant
qui porte un nom à consonance arabe, tout comme moi. Et cet enfant a frappé mon fils violemment, alors qu'il était beaucoup plus âgé que lui, en disant à mon fils qu'il était raciste. Quand j'ai demandé des comptes à l'éducation nationale, l'inspectrice d'académie a fait en sorte, comme elle l'a fait pour tous les Français, parce que la haine qu'ils ont des Blancs et des Français est telle dans l'administration, qu'ils ont volontairement dit que ça ne s'était pas passé à l'école, alors que la directrice de l'école m'avait envoyé un mail spécifiant. J'ai contacté la rectrice de l'Académie de Versailles, qui est une amie d'Emmanuel Macron, dont on sait que la nomination a fait grandement polémique, et ils ont couvert tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites taper dessus, et on vous dit « c'est bien fait, et c'est normal ». Et quand vous portez plainte parce que vous êtes victime et qu'un policier courageux établit les faits, la justice trouve des excuses aux coupables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 80% des Français estiment que la justice est injuste. Et quand, lorsque vous arrivez dans les tribunaux, j'en sais quelque chose, vous vous rendez compte que l'injustice commence quand vous avez affaire à la justice. Pourquoi je dis tout ça? Parce que c'est l'internationalisme mondialiste prôné par cette gauche racialiste, ces 68ards, ces mondialistes qui veulent la guerre de tous contre tous, qui veulent la guerre de nos enfants, qui veulent la guerre et la division de ceux qui portent des noms à consonance et ceux qui n'en portent pas, de ceux qui sont d'une culture autre, alors que la France fait l'unanimité. S'il y a bien un universalisme, c'est celui qui a été porté par les valeurs chrétiennes de la France, qui ont été détruites dès la Révolution en coupant la tête du roi, ce lieutenant du Christ. Et c'est pour ça que j'invite de mes voeux dans mon livre à une alliance islamo-chrétienne. J'ai même envie de dire plus loin, une alliance entre les femmes et les hommes de bien. Car comme disait le Christ, tu ne crois pas en moi, mais tu suis ma parole. Et l'autre croit en moi, mais ne suis pas ma parole. Qui est juste? C'est dans ce sens que je crois à cette merveilleuse unité de la France qui est en train d'être détruite parce que certains font croire du matin au soir que les Français ne sont pas dignes d'humanité. Alors je dis à Emmanuel Macron et tous ceux qui autour de lui font cette propagande, vous ne nous tromperez pas, nous ne ferons pas la guerre entre nous, nous nous aimons, c'est vous qui avez créé des qui avez intenté à nos libertés, c'est vous qui avez mené des projets liberticides, c'est des criminels en robe noire qui les ont validés. Mais nous, nous ne ferons pas la guerre entre nous. Et je dis par avance aux musulmans qui nous écoutent, à ceux qui portent des noms à consonance, à ceux qui ont été régulièrement incriminés, et c'est arrivé par cette administration publique, parfois raciste, souvent racialiste, parce qu'ils n'aiment pas d'abord les Français. Je dis à tous ces gens qui nous écoutent, aimons-nous, faisons-nous le pari de la vie, faisons-nous d'être les uns avec les autres dans des combats qui sont nobles, parce que regardez et écoutez ce que nous proposent nos politiques aujourd'hui. Même Jean-Luc Mélenchon, dont je sais qu'aujourd'hui certains le suivent, qu'est-ce qu'il veut faire rentrer dans la Constitution? À chaque fois, c'est la mort. Hein. C'est le droit au suicide assisté, c'est le changement du genre. C'est pas ça, la France. Et moi, j'invite fortement, et c'est vrai que Poutine l'incarne, et c'est vrai que Poutine aujourd'hui dérange parce qu'il refuse toute la décadence LGBTQ+, il refuse le wokisme, pas au nom d'un principe parce que c'est la race blanche, non, au nom d'un principe d'unité nationale. Faut arrêter de dire que les Français sont racistes. On est en train de nous amener, moi compris, malgré mon nom, mes grands-oncles sont morts en 39-45 avec l'uniforme français. Je suis français par le prix du sang et je voudrais que certains qui sont si musulmans comprennent que dans leur famille, parce qu'on nous a coupé de cette histoire, il y a eu des combattants qui ont porté l'uniforme français. Alors, de grâce, ne tombons pas dans le piège du wokisme, de la décadence sexuelle, de la décadence sociétale. Faisons unité pour la vie, faisons unité pour l'amour, parce que la France, c'est d'abord ça. La France est un pays riche, la France est un pays plein de ressources. Et un ami, pas plus tard qu'aujourd'hui, que j'aime beaucoup et qui se reconnaîtra, que je dirais JM, qui m'avait dit « c'est fou en France, plus les gens ils ont du talent, moins on leur donne les moyens ». Voilà ce que je voulais dire. Eh bien, écoutez, un grand merci. Je pense que il n'y a rien à ajouter. J'allais vous demander le mot de la fin, mais… Oh, je peux en rajouter un. Mais là, ça fera plaisir à Eric Montana.
Allons-y. D'abord, je tenais à dire merci à Eric pour cette chaleureuse invitation. Je tenais vraiment à te remercier, Claude, parce que d'abord, par tes ouvrages, par la qualité de tes ouvrages, j'ai beaucoup appris et c'est très important. Je tiens aussi à remercier par avance Malika, la prochaine qui aura la chance de m'interroger. Nous avons déjà eu un échange au préalable. Le mot de la fin, et j'aime beaucoup le citer, c'est une citation de Solzhenitsyn que je cite beaucoup dans le livre, parce que je crois qu'il a écrit un ouvrage remarquable, s'appelle Deux siècles ensemble, que je vous invite vraiment à lire. Cette phrase, je crois qu'elle est réellement d'actualité, elle va nous parler à tous, et ainsi qu'à vos auditeurs et vos auditrices. Je suis trop petit pour m'opposer tout seul au mensonge, mais je peux au moins faire en sorte de ne pas être un canal pour le mensonge. Et c'est en ce sens que j'ai accepté cette invitation de TVADP, car elle traduit remarquablement bien cette citation de Solzhenitsyn. Vraiment, je vous dis merci. Je dis merci à vos auditeurs, vos auditrices. Pour ceux qui auront acheté le livre et à le lire, je leur souhaite par avance bonne lecture. Et je souhaite bonne route à Eric, aux autres invités, à toi, Claude. Hâte de te lire prochainement. Et Sans vive la problème. France surtout, vive la France et à bas le mondialisme financier. Eh bien, merci beaucoup, Morad. C'était vraiment un grand plaisir. Donc, eh bien, merci à tous de nous avoir suivis pour cette excellente émission. La semaine prochaine, nous recevrons un autre invité en la personne de Lucien Cerise, qui nous présentera aussi son dernier ouvrage, L'Ukraine, une guerre hybride de l'OTAN, etc. Donc, écoutez, merci pour votre fidélité. Merci à tous. Merci à TVADP. Et surtout, informez-vous. Faites en sorte que les gens lisent les livres. Faites en sorte que les gens s'informent en dehors des médias mainstream. Car les médias mainstream ne vous apporteront rien comme information. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et à la semaine prochaine. Au revoir.